Et re tout le monde, on est parti pour triompher d'Emilio. Tout est prêt. On n'a plus qu'à aller maintenant. Grâce à ton aide, nous pouvons enfin relever la tête, Ezio. Nous voilà prêts à frapper. Dis-moi simplement ce que tu attends de moi. Je ne te décevrai pas. Tu approcheras par en haut une fois la nuit tombée. Emilio a posté ses archers autour du palais. Tue-les. Mais sois discret. Au fur et à mesure, mes hommes prendront leur place. Que fais-tu des gardes ? Quand tu auras éliminé les archers, nous nous regrouperons devant ce bâtiment. Et alors nous verrons pour la suite. Aucun problème. Je m'occupe des archers et je vous rejoins. Tu as tout compris. Bonne chance. Dieu nous protège. C'est assez marrant parce que je joue avec une manette Xbox. Ça fait un moment que je joue, mais j'ai pas encore l'habitude comparé à la manette de Play. Et à chaque fois, ils me montrent des couleurs et des trucs comme ça, et je ne sais jamais lequel c'est. Donc ça me fait toujours assez rire, je mets un petit temps de réaction à chaque fois. Bon, du coup, pour le moment, ça fait assez rire. Le mois dernier, mais là, il va falloir faire très très gaffe. Grosse mission, là. Vraiment très grosse mission. Je sens que ça va être compliqué. Les lames secrètes sont bien mises, c'est bon. Parce que combien de fois j'ai foncé sur des gardes sans avoir mes lames. Ça rend pas la même chose. Il est là ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, excusez-moi monsieur, je savais pas que j'avais pas le droit d'être là. J'ai bien envie de passer. Ah non, il faut pas passer par l'eau. Hein. J'allais dire, j'ai bien envie de passer par l'eau. Parce que je suis beaucoup plus discret, mais non. Est-ce qu'on arrive déjà sur le point, je crois, non ? Pas du tout. Pas de soucis. Voilà, ça c'est un truc à faire parce qu'il faut faire très gaffe. À chaque fois, c'est la même chose. On tue et ça nous renvoie en bas. Alors, je voyais ça beaucoup plus près. Et au final, c'est très loin. Mais là, par contre, à Venise, des archers, on a une plâtrée, hein. Bon, je sais pas. Cible perdue, comment ça? Ok, je vous l'avais dit, hein, ça va être assez chiant, je sens bien. Je suis déjà épuisé. Franchement, je suis déjà épuisé, cette quête m'épuise déjà. J'avais oublié qu'à l'époque, c'était vraiment nul. Hein. Enfin, c'était pas bien fait, on va dire. Ouais, bon, bah, du coup, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais y aller à pied par le bas, du coup. Parce qu'il y a tellement d'archers que je me fais choper à chaque fois. Donc cette fois-ci, on va y aller par une autre façon. Parce que là, je me suis fait repérer, mais par les mauvais archers, donc c'est un peu con. Mais le problème, c'est qu'ils nous entendent arriver à 30 km. C'est un peu chiant, les archers, alors qu'on est dans leur dos. Et là, vous voyez déjà, on a beaucoup moins de mal à circuler. Ok, on y est. Alors, du coup. Non, mais c'est le problème, hein. Je vais plutôt passer comme ça. Faut vite se barrer sinon ils nous voient. Ils ont une visu les archers, c'est dingue. Alors comme j'ai dit, il faut vraiment être très discret.
Parce qu'on est vu très vite, hein, ici. C'est bon. J'ai eu peur, hein. Vraiment, j'ai eu très peur, là, pour le coup. Hop là, on va faire comme ça, ici. Parce qu'à mon avis, on va l'éliminer de cette façon. On va se mettre comme ça, hein, vu qu'il s'est barré. Oula, t'es bugué, hein, tu sais pas quoi faire, hein. Le problème, c'est ton pote là-bas qui m'énerve. On va faire ça, parce qu'il m'avait l'air bugué un peu. Ouais, il m'avait l'air vraiment bugué à cause de ça. Il est là, il faut l'arrêter. Et toi, toi. Voilà, on y était un petit peu plus tranquille, un peu plus crème. Ça passe mieux. Oh, attendez. Je cherche de l'argent, moi aussi. Oh, en plus, c'est pas mal, hein. Ah, c'est bon. Bon, il est parti où, Emiliano Sala, là? On pense à lui. Ah, vous êtes là. Bien joué, Ezio. Jusqu'ici, tout se déroule comme prévu. En ce moment, mes hommes remplacent les archers que tu as tués. Nous allons pouvoir nous approcher du palais. Oui, mais pas nous y introduire. Les gardes d'Emilio patrouillent tout autour. Envoie mes hommes. Ils occuperont les gardes un moment. Tu n'auras pas besoin de te battre. Et surtout, quand viendra le moment de l'assaut? Pense à ce que je t'ai appris. Sois prudent, Ezio. J'espère que tu réussiras. Bah, en fait, vous m'avez sauvé, fait sauver tous vos gens, tout ça, mais en fait, j'aurais pu totalement le faire seul, en fait. Parce qu'en fait, il y a que moi qui fais des trucs, là. Vous, allez. Venez, mes frères. On va enlever ça, on sait jamais. Être un peu plus clean, ça peut être... Je vous les laisse. Surtout le gros, hein. Lui, vraiment... Ouais, mais c'est pas possible, j'ai pas assez de distance. Ah, ok, parce qu'il était pas parti comme il fallait. Ah, c'est bon. Faire comme ça pour le moment. Mais tais-toi, voyons. Y'a rien du tout pour le moment. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il saute comme un débile? Votre petit château de cartes s'écroule, Emilio. D'un léger contretemps, ce sera vite réglé. Ce pauvre idiot d'Antonio, avec sa bande de voleurs... Oubliez-les. Vous devez vous concentrer sur l'assassin. Pourquoi? Il... Il est à Venise? Depuis plusieurs semaines. Êtes-vous aveugle à ce point? Contrairement à vous, j'avais affaire. Il fallait bien que quelqu'un fournisse des armes à nos frères Florentins. Ok, on est rentré. Et nous avons tous vu le résultat. Je ne vous permets pas. Vous avez autre chose à me dire? Le maestro veut tous nous voir. Dans trois jours, à Santo Stefano. Très bien, j'y serai. Oui, si vous êtes toujours en vie. Moi, à votre place, je me cacherai dans un endroit plus discret. Le palais est devenu ici. Le palais est une forteresse. Si vous le dites. Au revoir. Mm-hmm. Guardia! Guardia! Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde s'inquiète? On va buter là. Allez vite. Tu vas finir par te fatiguer, je te le dis. J'y vais. Dégage. Tu finiras sur un bûcher. Mais non. Bon, rien ne s'est passé comme prévu. Désolé, j'ai plus rien dit. J'étais vraiment concentré. Je n'ai pas peur, assassin. Tu ne comprends pas.
Je cherchais l'unité, la stabilité, l'ordre. Et tout cela à quel prix ? Tout progrès exige des sacrifices. Je regrette sincèrement que ça se termine ainsi. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Ouf. Désolé, c'était trop tentant. Bien, il faut ouvrir la porte à Antonio. Ah ouais, pas con, c'est à nous maintenant. C'est chez nous, ça. Le balai est tombé et Emilio est mort. Merci pour ton aide, Ezio. Grazie, Ezio. Allez, retirez les bannières d'Emilio. Rendons au peuple ce qui lui appartient. Dis-moi, Ezio. Comment vais-je bien pouvoir te récompenser ? Votre fille ? De l'argent suffira. Rien de plus facile. Et quoi d'autre ? Emilio s'est entretenu avec un dénommé Carlo, probablement un dignitaire de l'État. Tu le connais ? Carlo Grimaldi, membre du Conseil des Dix. Pourquoi cette question ? Qu'est-ce que tu prépares ? Je dois assister à une réunion. Les Grimaldi, je comprends mieux dans RPZ. Ok, ok. Grimaldi. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oh, tu as fait peur, hein ? Attends de faire le tour ou pas ? Ça va être très cher. Non, pas réussi. Heureusement que ça n'existe plus, les gardes qui marchent sur les toits quand même. Parce que bordel, ça ferait des emmerdes. Bah nickel ça, on gagne une synchronisation. Après ils sont jolis leurs bateaux. Du coup. Youhou ! En cours de restauration. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, mais nous vous rappelons. C'est quoi ici ? Ah oui non, je veux pas ça moi. Ah bah on va aller chercher nos coffres de revenus, tiens, allez, go. Parce que là, je vois que j'ai de l'argent, mais que je peux plus les mettre, donc allez, go. Ah du coup, non, pas par là, pas ici. On va aller chercher ce petit pécule, les amis. Et à mon avis, on va bien augmenter aussi notre villa. Il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Ça, par contre, c'est vrai. Et on va tout améliorer, je pense, avec l'argent qu'on a. Par contre, le coffre se remplit un peu trop rapidement, à mon goût. Allez. À 16 000 florins, on peut pas prendre plus. Ok. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs ? Ah bah oui, on va augmenter largement la casse-bas, comme on dit. Qu'est-ce qu'on pourrait augmenter ? Il y en a sont moins chers que d'autres. Forgeron, c'est 7. On va rénover ça. On va rénover ça. On va rénover la banque.
12 000 florins pour les forgerons. C'est pas mal. J'espère vraiment qu'ils nous font gagner pas mal. Hein. Je pense qu'on va tout mettre à 2. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des trucs qu'on peut augmenter? Oui, là, on a un truc à 5 000. On a encore 5 000. On peut plus en augmenter, je crois. Le tailleur, allez, go. Voilà, il reste plus que forgeron, banque, marchand d'art, et on aura terminé, bon, c'est voyage. Pas mal. Plus 26 000 pour Montegrini. Nickel.